Salut tout le monde, bienvenue à Nikiti Live. Moi, je suis ton hôte, Nick Taylor. Puis aujourd'hui, je suis avec Thomas Bonnet. Thomas, comment ça va? Ça va très bien, toi. Ouais, c'est. On jasait un petit peu avant le stream, là, mais c'était quand même cool. On a jasé sur vidéo sur Discord il y a longtemps qu'on était on est toujours des modérateurs à Dev, là, mais c'était bref. Mais ça, c'est la première fois qu'on a comme pas mal une discussion, puis on se connaît depuis un petit bout, là, même si c'est toujours dans les messages ou les DM. Mais merci de prendre le temps dans ta journée pour jaser un peu. Je sais c'est un peu plus tard en France, là, mais pas trop tard, là, c'est l'après-midi pour toi. Mais pour les gens qui te connaissent pas, peux-tu me donner un petit comme homodo, c'est qui Thomas? Non, je me présente, c'est ça, au modo, c'est ça. Bon, en tout cas, merci pour l'invitation. Je m'appelle Thomas. J'habite du coup en France, vers Toulouse, au sud de la France. Et je Okay. suis développeur web. Rien Cool, de. cool. Voilà. Oh ouais, non, c'est beau, c'est beau. Comme je t'ai dit, on s'est rencontrés, je pense, proche de quand j'ai commencé à travailler à Dev2, là. T'es devenu un modérateur. Moi, j'étais un modérateur automatiquement juste parce que j'étais un employé là-bas. Puis j'ai continué de continuer à être modérateur après que j'ai quitté Dev. Mais on a quelques gens dans le chat là. Il y a Coding Cat Dev qui dit jaloux qu'il y a des gens qui parlent d'autres langues. Moi, je ris un peu parce que. Je l'ai jamais dit en français, mais je sais pas, c'est le closed captioning. J'ai comme la transcription live, mais ça a l'air que ça traduit pas en français, alors Ah. ça le fait, ça, je le vois sur mon écran, puis il traduit qu'est-ce qui est en français en anglais, puis c'est pas mal moche, là. C'est un peu drôle, là. Ça regarde comme téléphone brisé ou quelque chose. Anyway, ça me fait rire, là. Anyways, merci de nous joindre Coding Cat Dev, puis Emmett aussi dans le chat. Emmett, c'est un ami, lui est juste sur l'autre côté de la frontière aux États-Unis. Lui est à New York, alors c'est quand même cool. Puis je connais pas Alex Code 620 là, mais bonjour à vous aussi. C'est quand même cool. On a pas mal du stock dans le chat là. Alors bref. Ça, c'est le premier live stream que je fais en français, là, qui j'ai pensé que ça serait un peu de fun, mais aussi, juste, il y a d'autres gens qui parlent d'autres langues, là, alors je pensais que ça serait intéressant. Puis, aussi, tu es un développeur web, mais on va jaser de open source, puis, et pour les gens qui nous joignent, là. On jase en français, mais c'est certain, il y a beaucoup d'anglicisme qui vient dans la conversation quand on parle du code ou certaines expressions. C'est juste normal. Alors, c'est pas source ouverte comme j'ai demandé à Thomas l'autre journée. C'est juste open source qui fait du sens là, parce que toi, tu es en France, là, moi, je suis au Québec, à Montréal, mais il y a beaucoup d'anglicisme aussi ici comme. Les francophones ici, les Québécois, ils vont dire, tu peux dire c'est où le stationnement, comme, mais la plupart du temps, les gens disent, c'est où le parking? C'est ça. Alors, et ça, c'est, je pense, c'est un mélange à cause qu'il y a des anglophones puis québécois, pas québécois, mais des francophones. Mais c'est pas mal la même chose en France, je pense, pour certaines choses, parce que quand j'étais à Lyon, je me souviens quelqu'un qui disait, oh, le parking, c'est là-bas, au lieu de stationnement. Est-ce que c'est pas mal commun là-bas aussi? Et c'est plus court à dire, je pense. Après, je ne sais pas du tout d'où ça vient, mais on aime bien vous prendre des mots. Ok, Vous piquez des mots un peu de tout. C'est vrai que parking, je ne sais pas du tout d'où ça vient. ouais. Cool. Alors, comme tu disais, on va jaser d'open source, là, puis. À part de ça, comme je suis curieux, comme toi, tu as pas mal fait du web dev en ce moment. C'est quoi les technos que tu travailles dedans? Je pense que je t'ai vu dire que tu faisais du PHP aussi, mais non, c'est quelqu'un Non. d'autre, je pense. Ok.
Non, je fais en ce moment beaucoup de Node.js. J'ai commencé le dev avec du Node.js et surtout avec du Next, donc Vue. J'aime beaucoup. Et assez récemment, j'ai commencé enfin à me mettre à du Astro. Ah, ok, Parce que ouais. c'est Ok, voilà. ouais. J'ai beaucoup Ouais, non. contribué, mais j'ai jamais développé un Astro. Donc, Ah, ok. mais Ah, j'aime ça, beaucoup. c'est. Vraiment, j'ai découvert ça cette semaine et j'ai beaucoup aimé. Ok. C'est quand même intéressant que tu as contribué au projet, mais tu l'utilises pas vraiment encore dans ton day-to-day. C'est pas grave, c'est juste intéressant, là. Mais à part de ça, comme je t'ai dit, nous deux sommes des modérateurs à Dev2, là. Mais je suis pas certain, mais je pense que tu avais fait des contributions à Dev2 aussi, au Codebase de Forum, je pense. Oui, Ouais. OK. je vais en faire deux, trois. Il me semble que ma toute première PR, c'était pour rajouter ou modifier la page des icônes avec Fantawesome. OK, ouais. Et après, c'était aussi la traduction en français, qui est OK. disponible sur tous les forums. OK. Je sais plus quoi d'autre. Il me semble des petites contributions parce qu'après, j'ai jamais trop fait de Ruby. Je connais un peu le Ruby, Ouais. mais vu que c'est du Ruby on Rails, c'est vaste. C'est le code source de Forum est assez poussé, donc j'ose pas me Ouais. renturer. Mais je modifie des fois le style quand ça va pas, peut-être l'accessibilité, mais ça, comme on en a, il y avait un OK. bouton modération qui n'était pas bien affiché. Du coup, je l'ai édité et voilà. OK. Ah, Mais quand des même, petites c'est contributions. C'est des petits fixes peut-être, mais même des petits fixes, ça fait un grand impact, je trouve, comme au moins par rapport aux accessibilités, c'est certain, là. Non, c'est cool. Puis, en termes d'Astro, parce que de ce que j'ai compris qu'on a jasé dans le passé, la plupart de tes contributions là-bas, c'est par rapport aux traductions, je pense. Oui, c'est ça. Mais d'ailleurs, Ouais. c'était toi qui m'avais fait découvrir, qui m'avais mentionné sur Twitter, en me disant, Ah ouais, t'es, c'est vrai. ils ont besoin. Mais ça remonte du coup il y a presque un an. Donc, oui, j'ai contribué de temps en temps à la documentation d'Astro en français. Il y a beaucoup, beaucoup de fichiers, mais vraiment beaucoup de documentation. On est entre 5 et 10 personnes, ça dépend après. Surtout des gens qui sont libres. Et OK. c'est très cool parce que même l'équipe Astro est super accessible. On peut discuter sans avoir de barrière en fait entre les contributeurs et les développeurs. Donc c'est juste fabuleux quoi. Ok, non, c'est cool. Je vais juste mettre un petit annonce dans le chat. Emmett demande, il y a des gens qui essaient de lancer mes commandes, mais pour X raisons, ça, quand tu fais point d'exclamation command, ça fait rien dans mon chat. Alors, je vais juste paster les commandes pour aujourd'hui au moins. Alors, voilà, c'est un peu long là, mais ok, cool. Il faut que je check ça. J'ai pas vraiment un Twitch bot pour mon stream là, mais tout ce que tu vois sur le web là, sur le stream par exemple, comme je vais cacher mon alpaca ici pour un instant, ça c'est tout fait avec des techno web. Alors, même nous-mêmes, j'utilise un produit qui s'appelle Video Ninja, puis ça, bref, ça fait des petits embeds, puis toi et moi sommes comme des petits sites. Des petites pages web dans le stream. Mon background, c'est un truc en HTML, CSS, JS, puis les animations et tout ça. Puis même intégrer le chat en bas, mettre le titre et tout ça comme discussion d'open source. Tout ça, c'est juste des pages web. Puis j'ai un truc pour les interactions, comme je peux mettre des GIFs animés et tout ça, comme j'ai Agent Peralta ici. Mais tout ça, c'est avec des commandes. J'utilise un truc qui s'appelle Comfy.js. Ouais, c'est ça. Je vais le mettre dans le chat. C'est open source, là. Mais si les gens sont intéressés en mettre des interactions dans leur stream, là, ça, c'est quand même cool. Tu peux faire un Twitch bot aussi, qui est une autre chose. Mais ça, il n'y a pas beaucoup d'efforts d'intégrer ça. Puis. Tu peux faire des commandes, puis tu peux faire n'importe quoi comme j'ai des autres commandes comme je peux mettre comme un donut là, puis tu peux le bouger, puis je peux faire. C'est certain, les commandes sont en anglais là, mais donut up là, puis j'envoie ça, puis comme VGS, il reçoit ça, puis
Est-ce que j'ai mis la bonne commande? Oh non, je l'ai pas. Tiens, donut tirer up. Ouais, ça bouge là. Mais tout ça, c'est juste du JS et tout ça. Mais anyways, c'est cool. Alors, tu disais que toi, tu es en France. La plupart de ton travail, je dirais de ton carrière, est-ce que c'était plutôt contractuel ou tu travailles pour des... Est-ce que tu es employé quelque part dans le passé ou est-ce que c'est normalement des contrats ou que tu fais ou juste curieux en général, comme juste parce que les interactions avec tes clients potentiellement, est-ce que c'est des trucs en... des anglophones ou est-ce que c'est juste des clients en France des Ah. fois? Non, pour l'instant, étant en freelance, du coup, ma propre entreprise, j'ai que des clients français. Ok. Donc, pour l'instant. Après, je dirais pas non à des clients anglais, ça me gêne pas du tout. Ouais. Non, 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 Discuter en c'est... Non. anglais, j'ai un peu du mal, mais ça va. Ça se comprend. Ouais. Non, non, ton anglais est bon, là. Ben, et j'ai jamais jasé avec vous en anglais, je pense. Ben, peut-être quand on avait le petit vidéo de modérateur, là, mais on jase dans les DM en anglais, puis ton anglais, c'est pas mal bon, là. C'est certain... Comme moi, je suis à l'aise à parler en français, quand j'écris le français, c'est pas parfait. Mais même parler, c'est pas parfait, je suis certain, là. Mais je suis quand même à l'aise. Mais si j'écris quelque chose en français, normalement, j'utilise un outil, ça s'appelle Language Tool. C'est comme Grammarly, là. Mais c'est juste pour valider, OK, c'est bon, là. Parce que même les tenses pour les verbes et tout ça, comme je me souviens de ça Ah oui. de l'école primaire, t'as comme le. C'est certain, les classiques comme passé, composé, présent, imparfait, tout ça, là, mais comme c'est un peu drôle. Quand j'étais, parce qu'à Montréal au moins, moi j'étais en immersion française depuis maternelle. Puis j'ai jamais appris mes verbes en anglais. Comme on avait un cours d'anglais là pour faire l'écriture et tout ça. Mais comme les trucs comme le subjonctif, tout ça, j'ai appris tout ça en français. Mais c'était jamais dans la classe pour anglais. Et je sais pas pourquoi exactement. Alors, c'est certain, je connais mes verbes en anglais, mais si tu me dis comme telle chose, est-ce que c'est comme plus que parfait ou quelque chose, j'ai aucune idée en anglais. Je sais comment le dire, mais je vais pas être capable de te dire c'est quoi. Qui me fait rire un peu. Mais, anyways, ça c'est juste un petit... Petit commentaire là de mon éducation là. Mais le truc que j'ai trouvé intéressant, comme je suis anglophone, comme c'est ma langue maternelle là, mais j'ai travaillé dans mon premier job comme professionnel à Montréal, c'était dans une boîte sur la rive sud de Montréal qui est typiquement moins. Ben, c'est encore pas mal francophone, mais il y a un mix maintenant. Mais la première boîte où j'ai travaillé, c'était littéralement tous des francophones, puis j'étais le seul anglophone. Puis c'était intéressant parce que même avec l'immersion française à l'école, c'est pas la même chose que jaser avec des gens comme pour vrai. Tu comprends? Comme... Puis je trouvais que c'était comme vraiment bon pour moi d'être immersé comme ça, littéralement immersé. Puis. Mais c'était quand même cool. Mais je mentionne ça parce que il y avait d'autres boîtes que je travaillais, c'était plutôt francophone, mais c'est un peu drôle parce qu'on quand on parle de code, puis c'est un peu lié à tes traductions que tu as fait en Astro, la plupart du code que les gens voient sur l'Internet, c'est normalement du code qui est écrit en anglais, comme Oui. même les variables. Oui. À part de mon premier job, j'ai jamais vu comme des variables en français. Moi, Comme je c'est pense pas que j'en ai jamais comme. vu. Comme j'ai jamais vu const est désactivé. C'est toujours const is enabled ou is disabled, là. Alors, c'est quand même intéressant. Et j'ai trouvé ça juste. C'est pas une mauvaise chose, mais. J'étais comme dans un environnement français, on jasait en français, les discussions étaient en français, mais OK, on va l'implémenter, puis c'est tout écrit en anglais, puis les commentaires sont en anglais, puis ça me faisait rire, mais
Mais je comprends la raison, là, parce que la plupart, comme même si c'était une boîte francophone, la plupart des clients étaient anglophones ou au Canada ou aux États-Unis. Alors, c'était comme un requis, parce que si jamais eux, ils prenaient le code à terme, là, c'est comme si c'était tout en français, c'est quoi ça? Mais, anyways. Tu disais que tu contribues pas mal. Ben, ton focus est plutôt en Node et tout ça. As-tu. À part de. Comme je connais Dev2 à cause que j'ai travaillé là, puis que tu as contribué, mais à part de Astro, est-ce qu'il y a d'autres projets que tu as contribué à, ou est-ce que c'est plutôt tes propres projets ou un Ce mix serait des deux? plutôt mes propres projets. Je n'ai pas d'autres en tête. Ouais, après, c'est surtout des projets personnels Ok. que je contribue. Du coup, c'est mon propre Ok, code. cool. Donc, soit contribuer à son propre code. Ouais. J'aime bien utiliser le mot contribuer quand c'est open source, quand c'est ouvert. Contribuer tout seul, Ouais. ça fait juste celui qui donne à son code quelque chose. Mais pour moi, Ouais, contribuer, c'est vraiment plusieurs personnes. Juste bon. ouais. Non, après, non, mis à part Dev2 et Dev2 Forum et Astro, non, il me Ok. semble pas. Ok, cool. Ok. Puis, en termes de... Parce que moi, je travaille à OpenSource maintenant. Puis, on avait des discussions par rapport à certaines choses. Puis, le sujet de modération était un des sujets qu'on jasait de. Puis, j'ai disais, bref, de mon expérience à Dev2, là, c'est certain que la modération, ça, c'est une grande chose, là. Comme mettre un feature où les gens peuvent potentiellement spammer des trucs ou whatever, là. Alors, je suis curieux, comme toi, pour la modération, toi, t'as juste décidé de devenir un modérateur de certains trucs, ou juste comme pour contribuer aux communautés, ou c'était quoi tes enjeux pour devenir modérateur? Ah, alors je reprends du coup l'exemple sur Dev2. De base, j'étais juste un utilisateur lambda qui adorait lire et poster mes articles. Et puis, il y a toujours la possibilité d'être modérateur et j'ai voulu contribuer tout simplement d'une autre manière. Or que Ouais. le code open source, il est un peu compliqué, comme je disais tout à l'heure. Il est sur Ruby on Rails. Ouais. Et vu que j'ai jamais trop fait de Ruby, enfin, j'en ai fait un peu il y a très très longtemps. Quand j'ai vu Ouais, le code, je suis peut-être pas maintenant. Là, je peux pas. ouais. Du coup, oui, j'ai vu la partie modération. J'ai fait pas mal de modération dans ma vie, que ce soit sur Discord surtout, que ce soit OK. dans des communautés. Et du coup, DevTools, c'était la bonne occasion, vu que j'adore la communauté et modérer, c'est une petite passion. Donc, Ah, cool. deux choses super cool. Et voilà. Ouais. Ben, on vous remercie, c'est certain, là. Je sais que Michael, qui est en charge du support et modération, là, ben, il apprécie tous les gens qui fait la modération. Je suis curieux pour les gens qui ont jamais fait du modération. As-tu comme des tips? C'est certain que, comme si on ouvre la page de modération en dev, c'est certain qu'il y a des trucs qui sont évidemment du spam ou whatever. Ça, c'est quand même assez facile à dire. OK, ouais, ça c'est du qualité bas. On va le flaguer. Mais à part des trucs qui sont pas mal évidents, as-tu d'autres comme tip pour les gens qui veulent faire la modération? Parce que des fois, que ça peut être comme t'es pas certain. Tu Oui, comprends? je Parce vois. qu'il y a la. Je sais pas je connais pas l'expression en français, mais c'est comme il y a une ligne grise là, comme c'est soit blanc ou noir dans Oui. certains cas, mais il y a le milieu, c'est comme je sais pas exactement, peut-être. Et juste curieux si tu as des expériences ou des avis pour les gens. Alors, ça arrive de temps en temps, notamment sur Dev2, et l'avantage sur ça, c'est qu'on est plusieurs modérateurs. Du coup, on a juste à demander, et on voit en fait si c'est pour eux, si c'est du spam ou pas. Et vraiment, des fois, il y a des aspects que même moi je vois pas, que c'est pas vraiment du spam, et quelqu'un d'autre va passer faire, ben ça, c'est du spam. Donc, moi, Ouais. je dirais avoir déjà des bonnes règles, assez fixes, mais aussi de communiquer, ne pas hésiter à communiquer.
vraiment même dans la modération de communiquer, même de discuter avec la personne, d'engager de pourquoi c'est pas bien ton article, le Ouais. spam c'est mauvais, c'est mal vu, si t'as envie d'écrire un article, il faut faire comme ça, etc. Il faut bien le guider, c'est tout ça. C'est en vrai, il faut juste pas contredire la personne parce que ça sert à rien, elle va se bloquer. Plus qu'autre chose, c'est juste discuter avec la personne et voir trouver une solution. Ouais, non, c'est cool, c'est cool. Awesome. J'ai mis un petit lien pour être modérateur. Je pense que ça, c'est le lien où tu peux devenir modérateur. Ça parle du modération, puis Trusted Member. OK, ouais, c'est ça. Il faut que tu deviennes. Ben, je vais juste changer l'écran pour qu'on puisse voir ça pour tout le monde, là. Je pense que tu dois de... ouais, c'est ça. Tu dois devenir un trusted member en premier. Puis après ça, qu'est-ce qu'il dit? T'as Ça fait un petit le bout là. tag de modérateur. Ouais. C'est ça. OK. C'est ça. Cool. Puis juste pour montrer un peu comme les outils et tout ça. Ça, c'est quand tu es un modérateur, tu as accès à ça. Puis si tu gères des liens, des hashtags et tout ça, tu peux les modérer aussi. Mais c'est quand même. Je sais qu'ils ont fait des changements récemment. J'ai vu l'annonce dans l'email, là. Mais bref, tu peux juste checker comme. Des fois, comme tu dis, à la ligne grise, là, des fois, c'est comme OK, ça, c'est bon. Mais comme ici, probablement. Ce truc de crypto est probablement Un des spam, trucs. oui. Ouais, scam, trap, viewer. Oui, Ouais, bah ça, oui. anyway. Ouais, ok. Voilà, boom. Mais le truc que je pense que c'est important en termes de modération, c'est certain, c'est ton temps libre que les gens font ça, mais même juste comme faire la modération, comme. Moi, je suis moins actif maintenant parce que je travaille à temps plein puis je suis plus à DevTools, mais quand même, je fais la modération quand même. Mais même si c'est un peu moins fréquent, même faire comme 3-5 comme flaguer ça par semaine, même ça, parce qu'il y a, pour les gens qui ne connaissent pas DevTools, il y a comme 1 million ou plus maintenant de membres Ça actifs, en fait beaucoup, oui. pas juste membre, mais membre actif. Alors, n'importe quoi que tu fais en termes de modération, ça aide à bouger l'aiguille, là. Mais c'est cool, c'est cool. À part de ça, comme, je sais, moi, je suis pas vraiment gamer, mais je sais que toi, tu streams sur Twitch, mais pas vraiment pour du live streaming C'est de surtout code, je pour sais. jouer, oui. Ouais. Moi, je suis comme ancien là. Alors, en termes des jeux là, maintenant, c'est quoi qui est hot en termes de live streaming si tu joues des jeux? Comme moi, j'aime encore Super Mario, puis ça c'est quand même Ah, c'est ça c'est sympa, du c'est vrai. c'est quand même du C'est vrai fun, que. mais c'est pas comme Oui, les jeux c'est aujourd'hui, sympa, c'est c'est certain. vrai. Non, moi, non, c'est plus des jeux type FPS, j'aime bien. OK. Après, type enfin, FPS, mais aussi bac à sable, notamment le jeu Minecraft. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup joué à ce jeu. Même Ok, en étant plus ouais. jeune, je faisais que ça. Je passais beaucoup trop d'heures dessus. Et sinon, Ouais. Overwatch, normalement, beaucoup sur Fortnite. Avant, je n'aimais pas trop ce Ok. jeu, mais maintenant, je l'aime bien. Mais surtout après, avec des amis, c'est vachement plus convivial. Vraiment, de Ok. jouer, de discuter. Moi, j'aime toujours autant. Et dernièrement, c'est un jeu de Ouais. cartes, Hearthstone, de Blizzard. Je ne sais pas si tu connais. Je me suis remis et Attends. c'est surtout un jeu de stratégie de cartes. T'es contre un adverse et tu dois le battre. C'est très Ah, sympa. ok. Mais du coup, je joue de temps en temps, un peu partout, quand j'ai le Ok, temps et quand ok. j'ai l'envie. Ouais, le Minecraft, c'est beaucoup de fun, là. Mes enfants jouaient ça avant, là. Puis c'était juste. C'est un jeu drôle, là, parce que tu vas dans. Ben, tu peux aller dans beaucoup de monde, là. Mais c'était toujours. Ils bâtissaient leur maison, puis ils cherchaient toujours du. C'est quoi la substance noire? Ah, de l'obsidienne. L'obsidienne, ouais. C'était toujours comme. Il y avait un petit ferme avec n'importe quoi, les cochons, puis il y avait des zombies dans le lac, puis il était toujours à la recherche d'obsidienne, là. Puis
Ça juste me faisait rire, là, mais c'est quand même cool comme jeu parce que c'est certain, les enfants jouent ça, mais même les adultes comme toi et plusieurs. Moi quand je les joue, moi je le joue pas souvent, là, mais si mes enfants jouaient des fois, je le jouais un petit peu, mais c'est quand même du fun, puis tu peux mettre des mods et tout ça, là. Il y a plein de choses que tu peux faire, là. Mais c'est quand même cool. Toi-même, je sais que tu disais que tu fais pas mal tes propres projets en open source, mais as-tu déjà fait comme des mods pour Minecraft ou quelque chose? J'imagine que. Ou pas vraiment? Oula, non, jamais de mode, c'est assez compliqué. Sauf que c'est du Java derrière, donc je suis pas Oh, c'est vraiment tout fan de Java. Java. Ok. Non. Ok. Après, je pense qu'il y a d'autres langages, mais du Java, c'est le principal. Donc, jamais fait de choses dessus. Après, Ok. au tout début de Minecraft, j'ai mis aussi à faire un peu, j'ai un peu les plugins, mais c'est pas moi qui les crée. C'était des plugins open source pour des outils, Ok. pour créer des serveurs publics, etc. Mais j'ai jamais développé dessus, quoi. Ok. Non, quand même, c'est une bonne chose. Ben, on parle dans le contexte des jeux, mais d'utiliser des outils open source qui est. C'est comme Oui. une bonne manière de jaser des outils en général, là, comme. Je trouve comme. Il y a plein d'outils open source là, que tout le monde. Ben, si on parle dans le. Ben, pas mal n'importe quel domaine, mais dans le contexte de front-end, là, c'est certain comme. Si tu fais du front-end, c'est 100% certain que tu consommes des outils open source là. Si c'est comme, par exemple, tu utilises Astro que tu parlais de, ben ça c'est open source aussi, mais lui, il utilise Vite, Under the Hood, puis plein d'autres trucs là. Puis c'est. Je trouve c'est toujours bizarre pour moi encore. C'est. Juste tout le truc en termes de. Juste. Pour faire du. C'est quoi le mot? Du funding, là. Comme les gens qui. C'est certain. Je pense que open source a changé à un certain point. C'est devenu plutôt commercialisé dans un sens un peu. Comme. Oui. Si tu parles du open source, comme dans les vieux temps, air quotes, là. Mais c'était vraiment comme. J'ai créé Linux et des trucs comme ça parce que c'était juste pour aider le monde. Mais la plupart du planète, ça roule sur Linux maintenant. Puis les gens ont comme des contrats pour dire, moi, je vais modérer ton ou faire l'admin de ton truc Linux et tout ça. Et c'est certain, ben Linux est peut-être un mauvais exemple parce qu'il y a beaucoup de grosses corporations qui mettent l'argent dans ça, mais. Comme par exemple les outils front-end, Babel, par exemple, qui était. Ben, ça existe encore, puis c'est encore utilisé, mais ça faisait longtemps qu'il n'y avait aucune personne qui donnait l'argent à ça. Puis ben, Vite, il y a beaucoup. Vite, c'est une autre chose qui me fait rire parce que la première fois que j'ai vu le projet Vite, j'ai pas réalisé que. Plusieurs des projets qu'eux, ils créent, c'est par rapport au nom français. Alors, la première fois que je l'ai vu, j'ai pensé que c'était Vite. Mais après que j'ai lu le doc, j'étais comme, OK, c'est parce que c'est beaucoup plus vite, alors c'est Vite. Mais j'entends beaucoup de gens qui disent Vite encore, Oh, beaucoup, parce qu'ils d'accord. connaissent pas que c'est Vite comme rapide, qui me fait rire un peu. Mais je pense que Vite, eux, ils ont fait beaucoup de progrès en termes d'avoir des donations et tout ça, parce que je pense que même StackBlitz, puis beaucoup de corpos, ils mettent de l'argent dans ça. Puis c'est certain, quand le genre principal, c'est le créateur de Vue, là, c'est lui qui met la. Ben, c'est pas juste lui, là, maintenant, mais je trouve que c'est. Je trouve qu'on est à un certain point que. Comme par exemple, quand j'ai travaillé à Autodesk, on utilisait Webpack, on utilisait Babel, mais la compagnie mettait aucun sou à ces projets. Et je trouve ça, c'est un peu C'est un peu bizarre, mais dommage. on. Ouais. Puis. C'est un peu. Ben, le truc, c'est avec les projets open source, normalement, ça commence avec comme moi, j'ai un besoin, alors je vais créer un projet comme. Dans le contexte de Babel, par exemple. Le gars Sébastien, il voulait faire des trucs en JS moderne, mais le langage n'était pas prêt. Puis lui a dit, ah, fuck ça, je vais le faire moi-même.
Puis c'est devenu son projet et ça a eu de traction. Puis à un certain point, lui a eu du burn-out, puis il a quitté le projet, puis il y avait d'autres gens qui ont rejoint le projet. Mais le problème, c'était qu'il n'y avait pas des gens qui contribuaient. Ben, il y avait des gens qui contribuaient au projet, mais comme quand tu as des grands corpos qui utilisent ça chaque journée, c'est un peu bizarre qu'ils n'aient pas un peu d'argent. Parce que même, honnêtement, là, même 10 000 piastres qui est rien pour comme un truc comme Microsoft ou IBM, là, c'est rien. Mais même des trucs. Peut-être ça a changé dans ce... parce que j'ai pas checké récemment, là, mais je juste trouve que c'est bizarre. Puis je pense que l'autre truc, c'est que si jamais il y a quelque chose qui pète dans un de ces projets, puis c'est toi, un grand corpo, qui dépend de ça, c'est un peu drôle, je trouve. Je sais pas ce que t'es pensé là, mais Ça fait penser c'est un peu au ouais. schéma ou même où il y a plein de petites pièces. Il y a un gros carré et un petit carré là, et plein de gros trucs là. Et c'est genre les tout petits trucs, mais c'est le même classique là. Je l'ai même encore revu ça la semaine dernière sur DevTools. Mais c'est totalement ça. Ouais. Je pense que. Ouais, je vais le trouver là. Je vais juste le partager là. On va juste Et retourner ça me fait ici. penser du coup à Core.js, le développeur. C'est ça, c'est ce même là, c'est parfait. Ouais. C'est ça. Ben, il y a plusieurs mimes là, mais ça, c'est un des mimes. Mais ça, c'est pas mal ça, l'image là. C'est Ouais. totalement ça. Ouais. Le Mais vraiment le pardon, petit projet tu. open source qui fait tenir le reste, quoi. C'est Ouais. Je t'ai interrompu. Tu parlais de Core.js, je oui, même pense. Core.js, la librairie, je crois que ouais, c'est du coup une librairie. C'est toujours le développeur, il est tout seul dessus. Et ça fait plusieurs années qu'il n'a plus de travail. Enfin, de ce que Ouais. j'avais vu, en tout cas, c'était le cas. Même il l'a mis dans Ouais. son README et il dit ben, c'est dommage parce que Core.js est utilisé par beaucoup, mais beaucoup d'entreprises, des petites comme des Ouais. grosses, comme me semble Google ou même Facebook. Et le fait qu'il n'a pas de rémunération, c'est dommage pour lui, quoi. Ouais. Ben, et il me semble qu'il avait expliqué. Ouais, il Ah parle ben, je ici crois qu'il a du. toujours mis. Il parle du rémunération ici, là. Ah, ben ça, c'est cool. Puis. Ouais, et je me souviens quand ça s'est arrivé parce que il y avait des gens qui plaignaient que il faisait un NPM install, puis au bout de ligne, il y avait des grandes annonces Oui. comme je cherche des rémunérations, C'est si ça. vous êtes intéressé, voici le lien, puis il dit hey, pourquoi? Honnêtement, dans tes logs, est-ce que c'est vraiment grave? Je pense pas, peut-être, mais à moins qu'il mette un lien un peu suspect, peut-être, mais. Mais je comprends, il était frustré. Puis comme Core.js, c'est utilisé par Babel. Alors, si tu utilises Webpack encore, ça utilise Core.js probablement. Puis Next.js, par exemple, ils sont en train de bouger à TurboPack. Mais encore, Next.js utilise Webpack, par exemple. Je dirais qu'il y a beaucoup de gens qui bougent à vite. Mais par exemple, Redwood.js, que j'ai jasé avec un de... Leur mainteneur, Amy Dutton, elle était sur le stream il y a environ un mois, je pense. Puis, eux, ils étaient juste en train de. Ou, je pense maintenant, ils sont convertis à Vite, ou peut-être c'est expérimental encore. Mais eux, ils étaient sur Webpack avant. Puis, ils bougent à Vite. Mais, même Storybook, il y a un composant Vite.js de ça maintenant. Mais il y a encore une partie qui est Webpack. Alors, tous ces projets. Il utilise probablement Core.js aussi. Alors, c'est. Je comprends la frustration, là. Puis, ça a l'air qu'il y a des gens qui ont fait des rémunérations ici. Front-end Masters, ça, c'est quand même cool qu'ils ont fait ça. Puis, cool. Ça, c'est. Ok, je connais pas les C'est autres. très Ben, je cool. connais Je savais pas du coup. Browserify. Babel, ça a l'air qu'il donne de l'argent, c'est certain, Non, parce ça, c'est le logo qu'il fait violet, ça. c'est Sentry. Ouais. Puis, c'est certain, il y a des gens qui ont fait des rémunérations qui est bon, là, mais je pense que le truc, c'est que j'ai jasé avec Josh Goldberg, qui est un des mainteneurs sur TypeScript ESLint. Puis, je vais trouver le. J'ai pris une vidéo par rapport à ça. Attends. Mais il parle de. Lui, il a quitté son job, son boulot full-time, là, puis. Il fait juste que le open source maintenant, puis lui, il dépend sur les rémunérations maintenant, puis
Je vais trouver l'émission. Il y a un stream par rapport à ça, mais... Oups, c'est pas lui. Okay. Je vais le trouver, mais c'est sur mon YouTube, mais j'ai fait un clip, c'est comme environ 5 minutes. Ok, attends une seconde. Je vais le trouver. Ben, je vais le trouver. Je mets dans les notes après. Salut, Ayu. Ayu, nice to see you. Elle parle pas français, mais ici pour le sport, là. Je pense, je sais pas si tu connais Ayu ou non. Elle est un modérateur sur Dev2 aussi. Elle est dans mon communauté Virtual Coffee aussi. Puis, je ne sais même plus quoi d'autre. Elle est Aditya. Je peux le trouver, Il me Ayu. semble que oui. Voilà. Oui. Je pas... Ouais, elle est un modérateur, je suis pas mal certain, là. Ouais, Mod of the Month, ouais. Ouais, alors, elle nous aide aussi. Je vais trouver cette ligne, ça m'énerve un peu. On peut jaser encore, là. Je vais le trouver dans mon dashboard, là. C'est où, là? Attends une seconde. Ça fait longtemps. Josh Funding. Peut-être c'est ça. Ah, ouais. Voilà. OK. Je vais dropper le lien, puis... Ça, c'est un petit article, mais ça, c'est le clip de 5 minutes que je parle de... Où il parle du rémunération dans open source. Je trouvais que c'était intéressant. Je pense pas qu'il y a des solutions encore, là, par rapport à ça, parce que... Ça devient complexe, là, parce que c'est une chose que, comme si toi, t'as créé le projet, puis les gens disent, oh, je veux te donner l'argent. Mais si tu as des contributeurs aussi, comment est-ce que tu partages l'argent, comme dans une manière qui est quand même, ça donne l'égalité, comme si moi, je suis un contributeur, puis j'ai juste fait un pull request ou de n'importe quoi, là, versus quelqu'un qui a fait 20 pull requests, puis est. Je sais pas comment tu distribues l'argent. Il y a Vrai ça que c'est un peu aussi. compliqué. Puis ça peut causer des enjeux. Puis tu veux pas fâcher. Tu veux pas commencer à faire fâcher tout le monde là. Et alors, je sais. Je sais pas c'est quoi la solution. Mais je ris encore à cause du closed captioning, le live transcription. De ce que tu as juste dit, ça a traduit ça en anglais. Ça dit Name of the koala, that's just a very important request period to pre-pack, come outside tomorrow. J'ai aucune idée pourquoi. Alors, je me demande si. Je vais checker. J'ai pas pensé à ça pour le live stream, mais peut-être il y a un setting que je peux le mettre pour dire traduction en français, peut-être, mais j'ai oublié de checker ça. Pour l'instant, ça juste me fait rire. Puis je suis curieux. Question potentiellement bête là, mais je vais uploader ça à YouTube après, puis ça va mettre du transcription dans la vidéo. Est-ce que YouTube est capable de faire la traduction? Si, est-ce que je peux choisir français, sais-tu? Me semble oui. Et après, tu peux Ok. rajouter des lignes, quoi. Tu peux choisir la langue que tu peux traduire. Après, je n'ai jamais fait, mais il Ok. me semble que c'est possible, oui. Ok. Ah, juste curieux pour voir après, là. Mais ça fait pas le live stream, mais c'était juste plutôt curiosité. Cool. Je pense pas qu'on a vraiment des questions dans le chat parce que je pense que les gens étaient juste curieux d'un live stream en français, c'est certain, là. Ayu dit merci, alors. Elle connaît un peu de français. Alors, elle dit elle apprécie le live stream. C'est quand même intéressant. Ayu parle d'autres langues aussi, mais pas le français, mais elle parle. Comment tu dis Dutch en français, la langue? Je ne sais même Allemand. plus. Non, Allemand. c'est pas. Oh, parle-moi. Dutch. Dutch, c'est pas. Non, Dutch. c'est pas. Allemand, c'est Germany qui est allemand. Mais Dutch, c'est comme Netherlands. Ah, Je hollandais. sais. Hollandais. Hollandais, ouais. Hollandais, ouais. Elle parle hollandais, puis je vais demander la question en anglais pour Ayu, mais Ayu, what are the other languages you speak?
There's English, Dutch, and I think you spoke a third one. Anyways. Okay. Cool. Non, c'est. Oh, elle parle du japonais. Oh, wow. Ça, c'est vraiment cool. Oh. Et du. Ok, quatre langues. Pardon, je m'excuse. Indonésie aussi. Ok. Wow. Ça, c'est vraiment cool. C'est ouais, très cool. Ouais. Pour toi, c'est comme une question un peu ouverte, là, mais pourquoi est-ce que toi-même t'aimes contribuer à l'open source ou juste la communauté en général? Et comme je t'ai dit, c'est vraiment, il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est juste une question ouverte, là. C'est une bonne question parce que je sais pas vraiment. Je pense que j'aime bien contribuer open source parce que ben même moi, j'aime bien. Je me dis que je me pose toujours la question de ben, est-ce que j'aimerais bien qu'on fasse pour moi? Du coup, je le ferai aussi pour autres. Quand je sais un rendu, ben je, comment dire ça? Ben, j'aime bien donner quelque chose à quelqu'un qui pourrait me le donner et ça me ferait plaisir. Donc je me dis en vrai, contribuer à de l'open source, surtout que c'est quelque chose que j'utilise et que j'aime bien. Si ça me fait déjà plaisir à le faire, c'est bénéfique. Et si en plus ça aide du coup une communauté ou un projet, c'est juste génial. C'est doublement de bénéfique. Donc je sais pas, après, je pense que c'est juste ça. Contribuer, participer à quelque chose, améliorer le monde de l'open source ou surtout un projet spécialement, quoi. Ouais, non, c'est ça. Non, moi, je suis d'accord avec vous aussi. Je trouve l'autre chose. Je trouve que c'est quand même. Un des trucs que je trouve qui est vraiment cool, c'est comme l'open source aussi. Ben, tous tes points que tu as dit là, mais aussi le fait que le code est littéralement là, Oui. c'est un très bon outil pour apprendre des trucs comme. Tu peux apprendre des trucs complexes parce que quelqu'un d'autre a déjà fait ça, puis tu peux aller. Je dis ça à tout le monde tout le temps quand. Ben, pas tout le temps, mais dans le contexte au moins du front-end où le code est. C'est littéralement du texte, c'est pas comme un binaire ou quelque chose. Tu peux aller littéralement dans tes node modules, comme tu as un problème, ok, qu'est-ce qui arrive? Tu peux débugger et littéralement regarder et débugger dans ton node modules. C'est certain, c'est un peu plus avancé à faire ça, mais je me souviens, ça fait quelques années là, mais j'avais une erreur de Webpack, c'était quand je travaillais à Dev2, puis j'ai changé un config parce que je pense que je faisais un upgrade de quelque chose, puis j'étais comme, ça marche pas, pourquoi? Et j'étais vraiment comme confus, puis au bout de ligne, j'ai dit, ben, je vais juste débugger, je vais littéralement aller dans le code de Webpack. Alors, tu peux utiliser le débogueur de Node.js. Puis, alors, je suis allé, j'ai trouvé, ben, j'ai vu l'erreur ou qu'est-ce qu'il me donnait. J'ai cherché le code source dans le projet pour voir où cette erreur était. Puis, je suis allé là-bas, j'ai mis un breakpoint dans le code, puis j'ai roulé mon débogueur de Node.js. Puis, ça a frappé la ligne où l'erreur était. Puis, après ça, j'ai regardé, OK, ben. Voici le config que j'ai envoyé aux fonctions là, de Webpack. C'était comme un Webpack loader, je pense. Puis j'étais comme. On n'utilisait pas TypeScript à. Je vais finir mon pensée, puis après, Alex Code a un petit mot à dire dans le chat. Mais bref, on n'utilisait pas TypeScript, alors j'avais mal configuré le config. Puis quand je faisais le débogage. Je voyais, ah, ok, je manque telle chose ou j'ai pas mis le truc dans la bonne place, puis j'ai résolu mon problème juste en regardant dans le code. Alors, je trouve que ça peut être vraiment un outil pour faire tes investigations parce que le code est littéralement là, mais aussi juste apprendre des nouveaux trucs. C'est comme un livre ouvert. Hein. C'est vrai que même Ouais. moi, ben en fait, c'est tout le temps ben, ça m'aide beaucoup, même encore aujourd'hui, que je m'y connais un peu plus dans le code, à aller directement sur GitHub ou même sur autre chose pour voir directement le code source et voir même des exemples, des issues ou même des personnes qui ont eu Ouais. le même souci. Et c'est vraiment, on va dire la puissance de l'open source, c'est aussi des communautés. C'est juste génial. Ouais. De se dire Ouais. que d'ailleurs, on n'est pas le seul à avoir le même souci à une certaine ligne Ouais. où on ne comprend pas du tout Ouais. l'erreur. Non, non, on n'est pas tout seul. Ouais. Puis dans le chat, je vais dire bonjour. Tu as dit bonjour déjà, mais bonjour, Takanome. Puis AlexCode620 disait.
J'apprends le français depuis quelques années. Est-ce qu'il y a un contenu français sur le développement logiciel que vous recommandez? Je sais pas si tu as des pensées sur ça, Thomas, mais moi, je vais envoyer un truc que tu peux checker. Je sais, est-ce que les gens peuvent joindre ton squad sur... Ah oui, alors je suis pas très très actif dernièrement dessus parce que Je je l'ai vais pas remis, partager mais ça. Je vais partager le lien dans le chat. Alors, si tu es sur daily.dev, tu peux aller... Peut-être, je pense, tu dois demander... oh, je peux donner un... Est-ce que c'est OK si je mets le lien pour l'invitation dans le chat? oui, c'est fait OK. pour. Est-ce que c'est... Comment est-ce que ça marche là? OK, copier. OK. Si les gens sont intéressés, ça c'est un... Ça s'appelle un squad sur daily.dev. Puis Thomas a créé un squad français. Alors, c'est pas mal. C'est encore parle du tech, du techno, du web dev, pas mal la planète. Mais c'est tout des trucs en français, les articles et tout ça. Alors, je vais partager le lien ici. Alors, Takanomi ou Alex Code 620, si tu veux joindre le squad. Pour l'instant, c'est juste moi et Thomas. Mais ça serait une partie intéressante du web, là. Je sais que si on va à DevTool, là, c'est certain dans... Il y a... Des fois, les gens mettent des articles, ils En les français. écrivent en français ou Il y a le d'autres tag langues, exprès là. français, oui. Ouais. Ah, ok, c'est français, ouais, ok. Je vais checker ça. French, Ok. plutôt. Il faudrait que je Ok. demande d'ailleurs le... Hop. Ok, voilà. On va partager ça aussi. Ou C'est si tu... fait. Ok, tu l'as. Ah, c'est bon. T'es trop vite, t'es trop vite. Mais ça, c'est, je dirais, des liens où tu pourrais commencer à faire des trucs exploratoires, là. Si jamais tu trouves des articles ou d'autres liens à partager, je dirais juste les partager dans le squad ou aussi... Ça n'existe pas dans mon Discord, là, mais j'ai un Discord aussi si les gens sont intéressés. Je vais le mettre. J'ai des commandes dans Twitch pour ça, mais pour X raisons, ça ne marche pas aujourd'hui. J'ai aucune idée pourquoi, mais ça, c'est mon Discord. Puis on pourrait toujours créer un canal français si on veut. Ça, c'est pas trop de stress à faire ça. Cool. J'ai Qu'est-ce aussi que je disais? un autre site, c'est un développeur français qui fait du contenu vidéo en français, mais sur vraiment de tout, HTML, CSS, OK. CSS, vraiment de tout. Et vraiment, mais moi, je regarde de temps en temps, si jamais ça peut être intéressant pour apprendre un peu OK. l'en français, mais aussi du développement. Ouais. Il y a OK, son site cool. qui est plutôt très propre, et il y a même le cursus. Les Ok, étapes on à va faire. checker ça. Il y en a vraiment un On peu de va tout. checker ça. Front-end, back-end, du PHP, du Node.js, du Ruby, Ok. utiliser Git, C'est... SQL, enfin bref, c'est assez complet. Ok, cool. Ah, merci de partager ça. Cool. Ah, c'est cool. Je dirais que... No normalement, je book les sessions de live stream pour 1 heure et demie, mais on fait pas du live code, alors... Je sais pas pour toi-même, mais penses-tu qu'on peut aller pour une autre dizaine de minutes ou veux-tu quand même discuter encore pour une autre quarantaine de minutes? Ou moi, je suis partant pour n'importe. On peut discuter, bon, tout dépend, encore les 10 dernières minutes, et si on a encore plus de contenu à dire, on Ouais, on continuera, il n'y a aucun continue. souci. Ok, cool. Comme je t'ai dit avant, je pense pas qu'il y a vraiment des... Ben, il y avait quelques questions comme Alex Code 620 avait son. Takanomi, je sais pas si tu as des questions. Je pense que Takanomi m'a dit que lui est en Nigérie, je pense. Puis, ok. Takanomi dit oui, Graphicard, c'est une bonne ressource. Il y a des pas mal de mes amis qui ne comprennent pas l'anglais. Ah, c'est cool. Ben, félicitations à Graphicard, t'aides les gens là. Ok, c'est cool. Et s'inscrire, c'est quoi? C'est leur newsletter? C'est Ah, ok, non, ça c'est login. juste pour se créer un compte sur le site et avoir un suivi de ce qu'on a vu. Alors, en soi, Ok. c'est optionnel et c'est toujours mieux pour avoir
pour savoir en fait où on Ok. en est, quoi. Ok, cool. Mais après, c'est Attends. tout. Ça qui est cool, c'est que c'est totalement gratuit et vraiment. Ok. Le contenu est plutôt bon. Ok, alors. Ok, je vais mettre mon email. Tutu. Ah, Et je vais c'est le vrai que je faire hors part... de que je l'écran. partage, faudrait que je... faudrait que je partage un peu plus de choses sur le Daily Dev en français. C'est vrai que j'ai pas souvent Ok. dessus. J'ai changé de navigateur dernièrement, il y a quelques mois. Du coup, j'ai pas réinstallé l'extension et j'ai pas Ok. repensé depuis. Mais c'est vrai que c'est peut-être quelque chose à faire. On peut avoir quand même Ok. du bon contenu dessus. Donc Ok, cool. voilà. Je Peut-être qu'il y aura pense d'autres que... liens en français plus tard. Ok. Je vais finir mon abonnement. Juste une seconde, là. Cool. Ah, le CAPTCHA. Ah, c'est drôle. C'est un raton laveur. Ok, cool. Je m'inscris. Ok, c'est fait. Dit que je manque quelque chose. Oh, je dois mettre un nom d'utilisateur aussi. Ok, une seconde. Ben, on peut retourner là. C'est tout là maintenant. Confirmé. Boom. Ok. Cool. Ok, c'est bon. Je vais checker ça après. Curieux, à part de la programmation, contribution open source là, pour toi-même, fais-tu d'autres trucs à l'extérieur du travail et open source? Je sais que tu es un gamer, mais est-ce qu'il y a d'autres trucs que tu fais? Je sais que tu es à Toulouse, en France, là, qui est une très belle région. Il y a des trucs là-bas que tu fais, comme des randonnées ou quelque chose, ou juste curieux. J'aimerais bien faire des randonnées, c'est vrai, mais on va dire que j'y pense pas vraiment. Et puis des randonnées, c'est quand même assez long. J'aime bien beaucoup marcher, faire du vélo, vraiment dans la ville, c'est juste top de faire du vélo. Après, dans la main, j'apprends, je commence à prendre du piano. Ok, ah, c'est C'est cool, ouais. un peu compliqué, ouais, c'est pas compliqué, disons que j'avais déjà fait à l'école du solfège Ok. et j'avais arrêté parce que le solfège. J'aimais pas du tout. Donc là, je Ok. réessaye. J'aimerais plus tard en faire des petites mélodies, des petits trucs. Je me suis déjà amusé d'ailleurs pour mes streams à faire des petites musiques de follow et de sub. Vraiment des petits Ah, ok. trucs assez rigolos. Mais Ah, voilà. c'est cool. J'aime bien la musique en règle générale et en faire, ça Ouais. pourrait être juste génial, quoi. Ouais. Créer quelque Il chose y a beaucoup. entre. Ah, c'est cool. Non, il y a beaucoup de gens qui ont comme une aptitude musicale en termes de programmation. Beaucoup de gens. Pas tout le monde, mais il y a beaucoup de... Comme je connais beaucoup de gens qui jouent la guitare et tout ça. Moi, j'ai pris le piano quand j'étais jeune, là. Oh, il y a Jérôme qui dit salut, sympa du contenu en français. Ah, ben merci pour les belles mots. Puis bonjour, c'est une première fois sur le stream ici. Alors merci, bienvenue Jérôme. Ouais, le piano, c'était plutôt comme... Je pense beaucoup de gens que je connais quand on était jeune, on faisait du piano, là. Comme moi, après l'école, c'était comme un truc que je faisais, là. On a un piano chez nous, là. Ouais, on avait un piano. Mais j'allais à un gardien après l'école des fois. Puis elle avait le piano, c'est elle qui me donnait les leçons et tout ça. Puis c'était quand même cool, mais après l'école primaire, j'ai quand même arrêté. Ça m'a intéressé un peu moins pour X raisons, mais j'ai joué dans un... C'est un peu drôle de dire là, mais j'ai joué dans un orchestre de cloches. C'était Un comme un truc que orchestre je faisais. cloche. Ouais, je peux trouver le... Attends, je vais trouver sur mon Instagram une photo là. Mais bref, c'est comme un gros cloche qui est dans un église là, en haut là. Il y a ça que tu peux le tirer avec Ah la oui. grosse corde. Il y a ça, mais c'est pas ça. C'est littéralement... je sais pas comment tu le dis en français, mais ça s'appelle des handbells. Alors, tu les avais dans tes mains, puis t'es comme ça. Et il y avait des octaves. Alors, t'avais des petits cloches. Et des fois, t'avais comme quatre ou cinq dans ton main, puis t'étais comme tic, 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 tic. Et puis, t'avais des gros aussi. Puis, c'était juste intéressant.
Je log pas Non, je sur ne vois mon pas du tout. Instagram, sur mon ordi de travail normalement. Je vais juste trouver une photo. Puis il y avait différentes manières de jouer les cloches aussi. Tu peux le jouer un peu comme un xylophone. Il y a plein de trucs, mais anyway, je vais juste trouver une photo juste pour que les gens puissent voir là. Mais c'était du fun parce que pour moi, je suis pas vraiment religieux. Puis c'était un truc à l'église. Puis à cause que j'étais dans ce petit orchestre, il fallait pas que j'assoie dans l'église. J'étais dans une autre section avec mes amis. Alors pour moi, c'était pas mal plutôt ça. Mais c'était du fun quand même. Puis on a fait des petites traverses au Canada, puis un peu aux États-Unis. Puis à un certain point, on avait même un album, là. Je l'ai pas avec moi, là, mais c'est vraiment vieux, là. Alors, c'est certain que tu le connaîtrais pas, mais je vais trouver la photo, là. Mais je trouve, j'ai comme quand même le goût de réapprendre un peu de guitare. J'ai fait un mini montant de guitare, ça fait longtemps, là. Mais je trouve que c'est un truc intéressant. Potentiellement là. Alors, je sais pas, vous-même, est-ce que tu as joué la guitare dans le passé du tout ou juste pas mal le piano? Non, que du piano. Mais non, Ok. la guitare, ça me dit pas grand-chose, vraiment. Moi, c'est la partie piano que Ok. j'aime bien. Après, c'est surtout le Ok. synthétiseur aussi. Mais plus tard. Ok. Je dis bonjour à Violated Sign dans le chat. C'est quelqu'un qui me joint les matins des fois. Alors, bonjour. Hey, how's it going, Violated Sign? J'ai mis un lien au Instagram, là. Je vais juste le montrer sur l'écran brièvement, là. Mais, bref, tu vois, s'il y a une table, puis il y a les cloches sur la table. Puis dans ce cas-là, on le joue comme un xylophone. On fait comme tap, 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 tap. Mais la plupart du temps, tu les joues dans tes mains, là. Puis t'es comme ça. Je me demande si je peux trouver une vidéo de quelqu'un. Handbell Choir vidéo. Ok. Voici comment ça regarde. Je vais partager un lien. Ça, c'est comment on jouait normalement, là. Mais, anyways. C'était du fun, là. Mais je fais plus ça, là. Je pense que la dernière fois que j'ai fait ça, c'était. J'ai pris ma retraite, puis à un certain point, ils m'ont demandé est-ce que je peux jouer. C'était dans, je pense, 2010 ou quelque chose, là. Mais c'était quand même du fun, là. Je vois, oui. Enfin, moi, je vois ça surtout dans les périodes, enfin, pas ici, pas en France, mais dans les films américains, les cloches au mois de quoi, à la période de Noël, quand les gens Ouais. chantent, du coup, avec les cloches. Ça, ok, ça, je le Oh, vois. oh. Ouais, c'est certain en termes de Noël et tout ça. Mais c'était un peu drôle aussi parce que le directeur de l'orchestre, elle voulait faire des trucs contemporains aussi. Alors, je sais pas si tu connais Janet Jackson, mais la sœur de Michael Jackson, elle est un artiste aussi. À un certain point, on a joué quelques chansons d'elle. Et c'était cool, mais c'était un peu bizarre sur. Des cloches, mais quand même, c'était intéressant. Mais, anyways, cool. Je vois que. Oh! Je vais juste partager. Jérôme a mis un lien dans le chat. Je vais juste regarder c'était quoi. Je pense. Ebook Node.js. Ouais. Ok. Ok, alors il y a une version française, puis. Devenir Oui, un bon développeur Node. Ok, cool. c'est une longue liste. Ok. Ouais, ok, c'est cool. Ok, il fait son petite introduction, puis parle de les liens. Ok, ouais. Puis les articles des gens. C'est certains de ces liens seraient en anglais, comme Jake Archibald, lui, il vient de l'Angleterre, alors c'est certain, il écrit pas ça en français, j'imagine. Mais c'est quand même cool, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de ressources dans d'autres langues, là. C'est juste, je suis pas exposé à ça chaque journée parce que la plupart du temps, je travaille en anglais. Alors, mais c'est quand même cool, là, de voir les liens. Et puis, merci à tout le monde qui partage les liens dans le chat, là. Parce qu'il y avait des gens qui demandaient pour des liens. Puis, je vais mettre un marqueur sur le stream, là. Je vais prendre ces liens. Puis, quand je vais faire la mise à jour du vidéo sur Twitch, je vais mettre
inclure les liens dans la description. Puis quand ça va booster sur YouTube, je vais les mettre là aussi. Cool. Quoi d'autre là? Je sais pas si j'ai d'autres questions pour toi, honnêtement Non. Si tout à l'heure on parlait de quoi, les documentations, même là. en France, même moi, toutes les variables, j'ai jamais fait en français. Ça a tout le temps été en Ah ouais. anglais. Ok, ouais. Pour l'apprentissage, vraiment en anglais. Je pense que je suis pas le seul. En tout cas, moi, quand j'ai vu du code anglais en français, avec des commentaires en français, même les variables en français, c'était Ouais. très bizarre et c'était dérangeant parce que du coup, c'est pas une habitude, quoi. Même en français, on écrit tout en anglais. Les documentations, Ouais. on écrit. Enfin, pour ma part, en tout cas, c'est en anglais. Mais je pense qu'on aime Ouais. bien l'anglais. Ça va. Ouais. Ouais, ben, je comprends. Ben, c'est certain que anglais n'est pas la langue la plus parlée au monde, j'imagine. Ben, je sais pas les stats, mais j'imagine c'est plutôt potentiellement comme une autre langue comme chinois ou quelque chose parce qu'il y a beaucoup Oh. plus de gens. Je sais pas c'est quoi la langue la plus parlée au monde, mais en termes de business, ça a l'air que c'était décidé à un certain point que ça a l'air d'être le standard de communication pour le business. Alors, puis comme on disait au début du stream, là, comme même quand j'ai travaillé dans une boîte francophone, le code qu'on écrivait, c'était en anglais avec les commentaires en anglais parce que à un certain point, comme certains de ces projets, on les donnait aux gens après. Alors, si t'as des Américains qui reçoivent ton code, puis c'est tout en français, c'est Ils vont plutôt pas comme, comprendre. hey, c'est comme du code binaire pour eux s'ils voient ça, je pense. Bon, ils vont prendre plus de temps à traduire le français à l'anglais que de contribuer Ouais, au exactement. code, oui. Ouais. Peut-être maintenant avec ChatGPT, il peut juste dire, eh ouais, peux-tu traduire ça pour moi? Peut-être. Mais, anyways. Cool. Awesome. Je pense qu'on pourrait, à moins que tu aies quelque chose d'autre à discuter, je pense que ce serait un bon point qu'on peut dire merci à tous les gens, là. Puis, honnêtement, je veux te remercier juste pour prendre ton temps dans ton journée, là. Je sais que tu es occupé, puis tout, mais honnêtement, ça, c'était vraiment cool à faire, là. Je sais pas si les gens seraient intéressés à faire un autre stream comme ça, comme j'ai un de mes vieux co-travailleurs, Thomas aussi. Un autre Thomas, lui, il travaille à Unsplash, puis je le Ah. rencontre. On fait du co-travail des fois. Je travaille dans son à Unsplash avec lui des fois. Puis lui, on pourrait faire un stream peut-être. C'est plutôt une demande là. C'est un peu tricky là parce que c'est une question de trouver quelqu'un qui parle français, puis on a un sujet à jaser par rapport là. Alors, ça serait quand même intéressant. Mais une chose qui serait intéressante, en fait, là, tu connais Node.js, là? Le Meta Framework pour Vue, là? Je pense parce qu'il y a une compagnie, là, puis le fondateur du compagnie, c'est Sébastien Chopin, puis il Ah, vient de la de France. Next. Oui. Ouais. Alors, je me demande si ça serait intéressant. Je sais pas s'il voudrait le faire ou non, là, mais faire un stream en français de Node.js, ça pourrait être intéressant, là. Mais je vais checker Sébastien Chopin. Il est où, là? C'est lui. Ouais. C'est un des contributeurs principaux. Puis, ouais, lui est en France. Nox, c'est ça, la compagnie. Il y a Node.js, mais il y a la compagnie Nox Labs. Ouais, c'est ça. Ah, peut-être je vais faire une petite demande à lui si ça lui tente de faire un live stream en français de Nox.js. Ça serait intéressant parce que, un, c'est un gros projet. Alors, même si t'es pas francophone, ça pourrait quand même être intéressant parce qu'on va parler de Nox.js, mais on verra. J'ai déjà fait un stream en Nox.js avec Daniel Rowe ici, qui est super cool et chill, là. Mais peut-être ça serait une chose. Cool. Ok, ben, je vais voir si mon cédule ça marche ou non.
J'ai la commande, mais ça a l'air de faire rien. OK. Je vais mettre un lien pour la cédule, là, mais on a beaucoup de gens qui viennent sur le stream dans les prochaines 2 mois, là. Je vais juste aller ici, puis je vais popper le... Je dois regarder pourquoi mes commandes ne marchent pas dans Twitch aujourd'hui, mais voici la cédule, puis je vais juste le partager sur l'écran pour un instant. Alors, on a Thomas qu'on avait aujourd'hui, là. Lundi prochain, le 11 décembre, il y a Ray Deck que je connais de mon communauté Virtual Coffee qui va être sur le stream. On va parler des outils low-code, là. Alors, ça va être vraiment intéressant, je trouve. Après de ça, la prochaine semaine, je sais pas si tu connais Saran. Il paraît que c'est elle qui a créé Code Newbie et tout ça. Elle va être sur le live stream. On va parler de son nouveau projet, puis pas mal toute la planète. Puis il y a d'autres choses qui s'en viennent là. Juste bref, checker la cédule là. J'ai mon vieux collègue Salma Alam-Naylor qui va jaser de Sentry dans le nouvel an. Alors, beaucoup de choses là. Puis un autre que je suis quand même, ça va être cool, Mark Erickson, qui est un des mainteneurs de Redux qui travaille à Replay. Il va être là. On n'a pas décidé sur le sujet encore là, mais bref, plein de choses. Ça va être intéressant, puis mais je pense que je vais parler à Sébastien peut-être Chopin de Nox.js pour voir si ça lui intéresse. Mais bref, J'ai je vu t'ai qu'il interrompu. y a aussi sur accessibilité, non? Ouais, Ah web accessibilité. D'accord. ouais. Ça c'est Andrew Hedges. C'est un cofondateur de Assistive Labs, mais moi je le connais de The Collab Lab, c'est pas un projet, c'est un fondation qui aide les gens à devenir des web devs. Alors, je suis un menteur là, puis c'est pas menteur. Menteur, c'est pas la même chose en français, pardon. Je suis un mentor. Comment tu dis mentor en français? Menteur, c'est lie Oui, en anglais. on dit mentor aussi. Ah, mentor, ok, ouais, c'est un Mentor. anglicisme. Ok. Alors, je suis un mentor puis un volontaire là-bas. Alors, ça, c'est comment je connais Andrew. Alors, ça va être une bonne discussion aussi. Puis, un autre, plein de choses qui vont être intéressantes. J'ai pas fait du Tori encore. C'est comme Electron, mais c'est en Rust. Puis, on va parler de Solid.js aussi. Puis, plein de trucs. Anyways, je vais fermer la cédule pour l'instant, là. Puis, on va revenir à juste nous-mêmes, là. Mais honnêtement, merci tout le monde dans le chat aujourd'hui. Beaucoup de conversations, même si c'était en français. Alors, cool. Ok, t'es Alex Code et à VC aussi. Ah, ok. Oh, c'est cool. Ok. Parce que j'ai mis un petit annonce dans mon communauté de Virtual Coffee. Alors, c'est cool que tu l'as trouvé là. Cool. Awesome. OK. Ben, je te remercie encore, Thomas. C'était vraiment du fun là. Puis peut-être on peut faire un autre dans le nouvel an. Oui. Si ça vous tente Merci là. en tout cas de l'invitation. Ça Oh. me fait très plaisir. T'es sympa. Coucou. Ben, merci tout le monde. Puis on se voit lundi avec Ray Deck, avec les outils low code. Puis à part de ça, Thomas, si tu veux juste rester en ligne pour une seconde. Puis merci tout le monde. Salut.